Parole prophétique. Une grande détresse va frapper les océans du monde entier. 9 avril 2016. Parole de Jésus délivrée à sœur Gwendolyn Rex Song. Mes très chers enfants, ce message vient directement du trône du Dieu vivant, Jésus-Christ. J'ai demandé à ma fille, qui est ma servante des temps de la fin, de recevoir mes paroles concernant les décès en masse et extinction de la vie marine, y compris les grands récifs de corail. Mes chers enfants, tout ce qui vit rend honneur et gloire à l'unique vrai roi, c'est-à-dire moi. Je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. J'ai créé toutes les créatures vivantes comme une source de nourriture et un équilibre délicat sur votre planète. Toute chose que j'ai créée a eu un rôle essentiel. Et bien que nombre de mes enfants ne comprennent pas pourquoi le Créateur a créé certaines créatures, telles que les blattes ou les fourmis, je peux vous assurer que tous ont un rôle bien particulier dans la chaîne alimentaire. Le but de ce message issu de la chambre du trône est d'éduquer les enfants de Dieu sur les plans de l'ennemi dans un futur proche. Quoiqu'il y ait déjà des hécatombes d'animaux dans les océans, mes très chers, ce qui va se produire dans un futur proche va vous faire pâlir, comparé à tout ce que vous voyez dans vos nouvelles aujourd'hui. L'ennemi prévoit d'utiliser divers moyens pour détruire les précieux animaux que j'ai créés pour habiter les océans de la Terre, en utilisant des faisceaux sonores et la technologie des ondes ultraviolettes extrêmes, et même des signaux radio. Les créatures des océans vont commencer à mourir en encore plus grand nombre. L'autre jour, j'ai donné à ma fille une brève vision de requins dévorant des baigneurs à une plage californienne. Même si les attaques imprévisibles de requins restent rares, comprenez que la fréquence de ces attaques va augmenter dans un futur proche. La raison de l'augmentation de ces attaques est due à la menace qui pèse sur leurs sources de nourriture
mais aussi sur leur aptitude normale à communiquer, laquelle est altérée. Quand mes animaux tentent de communiquer les uns avec les autres et sont entravés par toutes les manipulations scientifiques autour d'eux, cela provoque l'altération de leur comportement. Pensez à la technologie à harpe, mes très chers. Les ondes sonores que les gouvernements utilisent pour manipuler la météo provoquent une grande confusion chez les animaux marins et même un déclin massif de leur cycle de reproduction. Lorsque j'ai conçu mes animaux marins, mes très chers, je leur ai donné des instincts joueurs. Vous ne comprendrez peut-être pas, mais je vais néanmoins le partager avec vous. Même les animaux marins les plus massifs jouent à cache-cache. En effet, ils nagent jusqu'à divers coins du monde, jusqu'à ce que le reste de leur groupe les rejoigne. Ce n'est pas seulement un élément de leur comportement reproductif, c'est aussi un élément de leur personnalité joyeuse que j'ai incorporé dans leur ADN pour mon propre plaisir. Depuis mon trône de gloire, j'aime regarder mes animaux nager à travers les océans de la Terre. C'est très triste pour moi qui les ai créés de voir mes créatures marines en voie d'extinction. Je ne traiterai pas dans ce message des autres facteurs en jeu, tels les déchets nucléaires déversés dans les océans, mes très chers. Je crois que vous comprendrez facilement que les animaux meurent aussi à cause de ça. Pendant le millénium, je reformerai les océans de la planète et je ferai preuve d'une créativité encore plus grande en donnant vie à encore plus de créatures marines insolites. Il n'y a pas de limite à la créativité de votre Père Céleste. La partie la plus importante de ce message sur laquelle je veux que mes enfants réfléchissent est ceci. Êtes-vous prêt pour rencontrer votre Créateur? Je viens chercher mon épouse à tout moment désormais, dès que mon père me donnera le signal. S'il vous plaît, comprenez, mes très chers, que si vous n'êtes pas trouvé vivant une vie sainte lorsque je vais venir libérer mon épouse, vous serez laissé sur terre et subirez la période la plus difficile jamais connue. S'il vous plaît, venez à moi agenouillé dans une sincère repentance, et je vous pardonnerai vos péchés et vous aiderai à marcher sur le chemin droit et étroit de la sainteté. Je suis un Dieu plein d'amour et de compassion, et c'est mon désir de voir tous mes enfants prêts pour le grand rassemblement de mes saints dans le ciel un jour très prochain. Préparez vos cœurs, mes très chers. Demain pourrait être trop tard, avec mon éternel amour, Seigneur Jésus.